Dans Lac et Bidi, accompagnés de Pépèche et de Croulac, le délou, ont traversé le miroir de la salle de magie de la tour d'Ajagkar. Et une fois le passage terminé, ils se retrouvent directement à l'intérieur d'un palais. Vous inquiétez pas, je le connais de vue. Effectivement, un grand, grand palais avec de grandes colonnades et le vent, effectivement, que vous sentiez venait d'ici, en fait. Les oiseaux que vous entendiez venaient d'ici également. Par contre, c'est complètement désert. Là où vous êtes, vous ne voyez rien. Y a quelqu'un? Tu C'est très entends discret. ta voix et tout qui... Non, je l'entends pas. L'écho, il y a quelqu'un. Je parle comme ça en fait. Une magie est à l'œuvre ici. Elle déforme l'écho. Blablabla. Que faites-vous? Oh, je vais me promener. Bah, je vais dans une autre direction. Ok. Je vais Et vers on le demande à palais Croulac Grognon. d'aller dans une autre direction. La Croulac va en arrière. Et il se Mais... tape le mur, en fait. Ah. Du coup, il meurt comme les oiseaux. Est-ce qu'on voit une des portes, des trucs comme ça? Il y a des grandes ouvertures qui ressemblent à des portes, effectivement, mais sans les battants, en fait. Ouais. Ouais, il y a des vastes salles, des salles de réception, il y a des grandes salles d'audience aussi. Des fenêtres? Bah, c'est même pas des fenêtres, hein, c'est des grandes ouvertures Ouais, mais du coup, dans l'eau, on quoi. voit l'extérieur. Ouais, enfin, vous y êtes, si elle, pour l'instant. Ah. Surtout. Ah, je vais aller vers une fenêtre. Regardez, du coup. Mais je te dis, vous voyez pas de fenêtre qui donne sur l'extérieur au niveau latéral, en fait. Vous Ah, c'est voyez que au-dessus. des sortes de grands atriums, Ah. quoi. D'accord. Bah, moi, je me dirige vers... Tout droit. Ok, bah vous partez, vous sortez d'une grande pièce avec des colonnades et vous voyez donc un grand, grand hall qui mène lui du coup sur des marches qui commencent à redescendre et sur une vaste jungle juste en face. Et au niveau des marches, vous voyez un homme pas très grand avec un pagne et un balai et qui balaye en fait. Il vous voit. Il voit le démon. Il fait... Il vous Il rappelle sort là. quelqu'un, Krolak? Non, absolument pas. Ah bon. On est peut-être revenu au temps des Bah, si rois. vous voulez son crâne, vous pouvez. Nous, on vous l'empêche pas. Ok, bon bah je vais chasser alors. À tout à l'heure. Et puis il s'en va. Il descend, puis il va dans la jungle. Là, on a perdu le PNJ badass. Pourquoi t'as fait D'une ça? manière tout aussi gros qu'on l'a vu. Franchement, tu pues la merde. Tu l'as libéré, il va nous bouffer à la première occasion. Mais non, il va pas nous bouffer, il va te Mais bouffer si. juste toi parce que t'es trop con. Mais non, toi parce que tu l'as libéré, c'est toi qui Bah es trop con pour lui. justement, je suis son ami. Mais non. Bien sûr, je suis son ami. Et reviens, hein. On Il t'aime. répond pas. Moi, je t'aime. Oh. Putain, je suis déjà triste. Ouais, je vais vers la C'était jungle. qui déjà, lui? Mais je lui réponds pas. Vous voyez alors ressortir de la jungle le petit homme avec d'autres personnes qui sont pareil habillées en mode un peu tribal et ils viennent vers vous. Ils voient que vous descendez, mais c'est quand je dis des grandes marches, c'est des énormes marches de genre des anciennes pyramides Ouais. aztèques et tout le bordel quoi. Et vous descendez le bazar et tout. Et du coup, vous arrivez, ils sont là, vous arrivez. Et puis, il y en a qui commencent à mettre un genou à terre, d'autres qui. On se tient droit du coup. Mes amis, relevez-vous. Nous sommes amis. Vous Vous êtes libérez qui? bientôt. Merde, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Mais qui? Là, du coup,
Ils viennent et tout, donc ils sont armés avec des espèces de pieux durcis au feu au bout et des grosses cognées, quoi. Puis ils viennent vers vous et puis Icta, 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 Icta. Je crois qu'ils veulent qu'on les suive. Moi, je suis. Cet homme essaie de me mystifier. Ok, vous les suivez. Très bien. Donc, je vous emmène un petit peu plus loin, en fait, pas très loin de la lisière. Et On se connaît pas la même il y a une époque. sorte de petit village, en fait, avec des huttes. Et ils arrivent, ils gueulent et tout, ils gueulent plein de trucs bizarres, vous comprenez pas Et effectivement puis ils trop leur prennent une tête. langage. Il y a eu des morts, il y a des têtes en moins. Et du coup, tu vas dire que Ce n'est pas un démon, faut les buter! Et là, il y a une femme bien ridée, avec le J'ai crâne cru qu'elle a bien gaulé. Non, non, mais pour toi, peut-être. bien ridé, mais C'est le crâne imagé. plutôt rasé en fait, Oh, il est dégueulasse. et avec plein de tatouages qui sort. Et comme moi. Ilkta, Ilkta! Mais non, pas Ecta, Bidi. Moi, être Ilkta. Toi, Ecta. Moi, Bidi. Machin. Pépèche. Peldorlak. Cet homme est fou. Pépèche. Pépèche. Raison. Pépèche! Pépèche. Dorlak! Bidi! Ça fait Il y en a un, ça fait plus ridicule quand même. Moi, je trouve que ça fait moins ridicule que Pépèche. J'aurais préféré Hervé quand même. Vous être envoyé du maître, est-ce que maître bientôt revenir? Moi? Maître Ajashkar. Ajashkar? Moi, roi sorcier. Ah. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Moi? Fais-moi un jet d'aura Mais il va faire un récit J'ai légendaire au beau avec palais! ton bonus de Omar là. Il va faire un truc légendaire. Putain, il fait double 5 après ça. Ça fait double. Mais tu peux mettre un point d'héroïsme pour faire une réussite héroïque. Ouais, si c'est réussi, tu peux au Ouais, moins mais faire reste une plus autre que si tu 2 veux. points, c'est chaud. Donc ce serait la classe. Vas-y. Le roi sorcier, c'est ça que t'as dit. Roi sorcier. Oh! Là, Moi, il dit des magicien. trucs au reste et il commence à se mettre à genoux. Oh! Est-ce que je peux utiliser la magie sans utiliser de points de pouvoir? Y a pas un truc genre les charmes, c'est Le pas. charme, c'est un ou deux points de magie. Est-ce qu'il me dit? Et T'as récupéré un point. je l'utilise, moi. Il n'y en avait qu'un. Envoyer un feu d'artifice. Du coup, là, tu fais apparaître des éclats lumineux Qui forment de mon différentes visage. couleurs et Pas tout, compliqué, c'est genre, un dôme. juste au-dessus des huttes, quoi, pas trop haut dans le ciel, quoi. Et je fais, Oh! Mais, roi sorcier, comme le maître. Et merde. Je vous avais dit, je connais cette vue. Oui, comme le maître. Ajashkar, pas être le maître. Ajashkar, être envoyé du maître. Lui et Robos. Ils sont partis vers où, ces envoyés? Être arrivé il y a de cela 5 lunes. Et après avoir beaucoup parlé du maître, avoir parlé des avancées, avoir fait beaucoup progrès dans le palais pour que le maître revienne et soit content. Et où ils sont actuellement? La démone, la Bacha, a ramené ses enfants pour venir réclamer son dû. Et Ajashkar, Robos, partis en forêt. C'est parti en forêt. Vous foutez de ma gueule, enculé! Oui, je vais réciter, oui, ta gueule. Moi, je suis dépité, hein. Dans quelle direction? Menez votre roi sorcier. Il fait. Elle sort
Rictu. Et un jeune homme qui arrive, et puis lui parle et tout. Rictu, menez à eux. Va, Rictu. Pas trop vite. Nous te suivons. Bon bah, Rictu avance. Pas trop vite. Il va dans la jungle. Vous partez dans la jungle avec Rictu. Là, j'espère que des mois, il va pas s'amener faire sur Rictu. Bon, tant pis. En vrai, je sais pas où ils sont. J'aime pas des idées comme ça, OMG. Je trouve ça drôle. J'espère que ça va arriver en vrai. On s'en retrouvera notre ami. Puis il essaie de te bouffer. Bah, va pas me bouffer si je suis sans. T'es pas sans. Oh, bah, on le suit. Bon, vous le suivez. Et quelques heures de marche. Dans la jungle, vous débouchez sur une sorte de clairière traversée par un cours d'eau qui tombe en petite cascade et il fait office un peu de halte de chasse en fait, aménagée par les gens de la tribu. Et vous voyez donc là-bas trois personnages. Il y a un jeune homme aux cheveux blonds. Qui est pas vêtu de petits vêtements, mais pas forcément hyper riche. Une jeune femme de la tribu avec un arc à son côté, qui est un homme qui lui est assis sur une souche d'arbre en robe rouge brocart sombre, solide bottes de voyage, la bonne grosse tignasse noire. Et des yeux assez félins. Je vais me souvenir, j'ai une de ces robes. Ouais. Du même type, ouais. C'est pour ça qu'ils ont cru à mon histoire. J'étais pas un clodo, j'étais un roi. Ça. Et à votre arrivée, la jeune femme commence à bander son arc en votre direction. Et Rictu arrive et fait un signe du main, du coup, retire un petit peu retient un peu son action en voyant ce que vous allez faire. Donc les deux autres vous regardent. Le mec te regarde toi et il voit sa robe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, Bidi. Et ça parle, ce machin? Malheureusement pour moi, oui. Nous sommes venus vous chercher. Vous comprenez? Donc depuis, vous n'êtes plus dans votre tour, c'est le bordel là-bas. Ah bon? Oui. Parce que... Beaucoup de gens sont... Parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans ma tour. Oui. Ça fait 5 jours que le conseiller a disparu, du coup il y a des gardes qui sont venus voir, ils sont restés coincés, ils sont fait bouffer par vos lions. Nous on est rentrés parce qu'ils nous avaient capturés, on a défoncé vos lions, on est montés, on a défoncé vos squelettes dans la cave aussi. Et maintenant on est ici, avec votre singe. Et on a marre. Mon singe? Nous avons... Oui, enfin c'est plus le vôtre, il l'a libéré ce con. Vous avez fait quoi? Il est pas très diplomate. Ça se voit pas, c'est comme ça. Disons que nous avons sympathisé, j'ai préféré le voir en homme libre. Ah d'accord, et c'est pour ça aussi que vous portez une de mes robes? Oui, c'est parce que c'est un homme libre. Oui, ah écoutez, ça a traîné, je vais pas laisser ça. Mais je vais vous faire traîner la gueule par terre, moi, ça va être vite fait. Écoute, je serais ravi de vous y aider. Franchement, vous êtes pas très diplomate. Bon, si nous rentrions. Ah oui, du coup, vous avez pas du tout vu qu'on pouvait pas rentrer comme ça. Vous avez essayé de faire demi-tour quand vous étiez dans le palais? Non. Non. Si, il y a un mur. Voilà. Et il doit y avoir un moyen de sortir. Ça fait quand même plusieurs jours que vous êtes là, vous aurez quand même pu trouver. Vous êtes quand même un gros branque. Ouais, mais il vous a piqué une robe et vous avez rien vu. Pour les gens ici, je suis le roi sorcier. Ricky. Ricky, il s'appelle Rictu. Ricky. Oh, c'est déjà son petit surnom, Rictu. Ricky, Ricky, ouais. De toute façon, je l'ai oublié.
Donc c'est totalement inscrit dans le RP. Oui, il y a Actu qui parle à la femme, et du coup, t'as Joshkar qui. Qu'est-ce que vous avez raconté? Vous La avez. vérité. Bah qu'il a vu le roi des sorciers de Visu, qu'il connaît. Ouais, je connais de vue. Ah Mais, ouais. et j'en suis moi-même. Ouais, enfin, ça c'est gros. D'une certaine manière. Bien sûr. N'empêche, vous imaginez pas tout ce qu'on a dû traverser pour venir chercher votre tronche ici. Bah si, j'imagine bien, c'est ma tour, hein. Je sais ce qu'il y a là-bas. Oui, et ben nous sommes arrivés jusqu'ici, vous, donc vous nous devez le respect. Non. J'ai essayé. Bon, maintenant on peut Mais. arrêter de se la comparer et essayer de se débrouiller pour trouver un moyen de sortir d'ici, peut-être. Ouais, c'est mieux en Depuis effet. quand vous réfléchissez? Toi, je t'emmerde déjà au passage. Vous êtes vachement agressif ces derniers temps, je crois. Ouais, je vais bientôt t'en coller une. Tu peux pas, je vais mourir. Je m'en fous. Vous Ça me fera êtes. des vacances. Tu es vachement agressif. Vous êtes dans un Je crois endroit m'en plaît. Aussi encore appelé plus agressif. la Vous vallée de êtes la qui sinon? Lune. Oh, c'était pour rire. Je rigole. Vous êtes dans un endroit appelé la vallée de la Lune. La vallée de la lune. Du temps où les rois sorciers officiaient encore en Lémurie, l'un d'entre eux, nommé Shrinazor Shamaraz, avait un palais, bien entendu, mais il sentait que le vent commençait à tourner. Et il a trouvé un moyen pour détourner totalement une partie du monde, donc cette vallée en l'occurrence, et l'isoler du temps et de l'espace. Et une fois ceci fait, il a amené là une bonne tripotée d'esclaves. Et un de ses démons de compagnie, une certaine Labasha, qui devait superviser la construction de son futur palais. Mais au moins, ce que l'histoire ne dit pas, c'est que il n'a jamais pu venir profiter de son palais. Et les esclaves, eux, sont toujours là pour. Finir la construction. Néanmoins, celle qui commence à gérer un petit peu la vallée, c'est Labasha qui est toujours ici. Et il y a des chances que pour pouvoir sortir de cette vallée, il faille l'éliminer. Ok, c'est par où? Comme nous avons été, nous avons subi une attaque au niveau du village la veille, il y a des chances que ces sbires soient envoyés pour sonder la jungle. Du coup, le mieux pour nous, c'est que nous y allions directement dans leur repère au niveau de la carrière. Il faudrait emmener notre ami démon là-bas. Mais sûrement quelqu'un de bien. Voilà qui est parti chasser. Au pire, il va avoir quelques-uns de leurs biens, justement. Vous avez libéré Kroulak. Oui, il avait l'air content, hein. À mon avis, il va essayer de nous bouffer dès qu'on partira d'ici. Vous êtes jamais content. Il l'a dit clairement, de toute façon, il nous aidait parce que, de toute façon, il était enfermé dans la tour Z. Et donc, il n'y a aucun intérêt à nous aider. Et puis d'ailleurs, il est passé au-dessus de votre contrôle sans aucun problème. Alors, vous pourrez vous remettre en question un peu aussi. Hein. Beaucoup. Ouais, je suis peut-être un peu puissant qu'une hippopotame. Ouais, nous on verra ça quand nous serons de retour chez nous. Chez vous. Franchement, vous avez été battu par ça. Ça la fout mal. Je suis désolé. Arrêtez de le provoquer. Parce qu'il va se Votre. suicider. Vous, votre Surtout façon. quand il m'entend parler de Votre façon d'être, ça fait. Un coup, vous êtes con. Un coup, vous êtes con et dans le mauvais sens. Bizarre. Vous êtes con, 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 Bon, moi je Ça suis star. fait De temps en temps, ça fait un. Pour montrer que vous êtes en vie, c'est là que vous faites une réussite critique. Tu Vous êtes jaloux parce que vous avez servi à rien jusqu'à présent. Non, juste décapiter le lion qui allait te bouffer, mais c'est tout. Oui, non, oui, je contrôlais la situation. Oui. Mais de quel lion vous parlez? Ah, oui, c'est vrai. Bon, du coup, vous êtes ok pour éliminer. Si ça peut me débarrasser de lui, oui, tout ce que vous On voulez, est tout. OK. Ah. Je me sens pas bien.
Bah parfait. Cet homme est fou. Je vais vraiment le tuer. Ah, vous avez senti la référence quand même. Non, on n'a pas compris. Non, elle était trop subtile. Vous foutez ma gueule ou... Mais oui, on se fout de ta gueule. On sait jamais. Bref. Non, elle était belle. À vous. Putain, t'es vraiment... Putain, tu dis non. On laissera les gens juger en commentaire. Est-ce que c'était bien ou pas? Est-ce que c'était bien placé? Vous avez le droit de dire non. Oui. Ouais, en tout cas, vous avez quand même bien rigolé, bande de gros. Tu sais rien. Si, je suis allé énerver l'autre. C'est pas forcément un complot non plus. Si, parce que je sais que si on le bute, la tour sera libérée. Vous êtes quand même une drôle d'équipe. Oui, bah c'est un peu forcé. J'ai mal à croire que vous ayez surmonté les épreuves de ma tour. C'est que vous irez voir avec le capitaine Dramic. C'était vraiment pas terrible. C'est vrai que vos lions n'ont pas duré longtemps l'entrée. Le squelette, oui. Le squelette, bon, vous avez plus d'eau dans les étages. Hein. La limace non plus. La limace, on l'a laissée où elle était en même temps. Même le démon l'a dompté. Ouais, et on a tué vos oiseaux. Mais ça, c'est pas de notre faute, ils sont. Pardon et... Mes petits oiseaux. Il a ouvert les cages, ce con. J'ai voulu les libérer, et ils sont écrasés la tête contre votre barrière. Donc vous les avez tués, à cause de votre enchantement de merde. Mais vous êtes encore plus con que lui. C'est vrai, pour le coup, là, il a pas vraiment tort. J'étais d'accord avec vous. C'était pas très intelligent ce qu'il a fait. Quoi. Et puis votre escalier enchanté, ça lui a pris 5 minutes. Hein. Oh, 5 minutes et un bras. Mais... En effet, c'était facile. Ouais, puis une marque aussi. Non, mais ça se voit pas, je vais entre les deux fesses. Ah, et puis votre lotus, hein, il a cramé dans l'incantation. Hein. Ouais, une partie. Parfait. Bref, on a foutu le boxe. En gros, c'est peut-être pas bien que vous reveniez dans votre tour. Okay. Après, c'est un peu de votre faute. Hein. Si jamais vous ne seriez pas parti, on ne serait pas venu. C'est une logique implacable. Mais c'est comme vous, en fait. Si vous n'étiez pas né, vous ne seriez pas venu dans ma tour. Vous ne m'auriez pas fait chier. Voilà, mais si on n'était pas né, bah vous ne seriez pas venu ici. Et du coup, vous seriez pas venu. Bah si, il serait venu ici, mais aucun, il serait resté coincé là. Si, si. Non, pas spécialement. Et ça se trouve, c'était un groupe moins malin que nous. C'est pas possible. J'ai du mal à croire qu'on puisse trouver des individus moins intelligents. Moi, écoutez, je ne juge que par le nombre de cadavres que j'ai vu chez vous. D'ailleurs, le parquet, il faudra le refaire. Ah oui, Kroulax s'en est donné à cœur joie, hein, à un premier étage. Ouais, mais en même temps, c'est un peu son boulot. Ouais, ouais. Ah oui. Bon, ouais, sinon, on se bouge le cul ou je vais me finir par découper la tête à quelqu'un ici, hein. Bon, eh bien. Commencer par l'autre con, là. Avançons. Vous êtes trop agressif, mon copain, Renat. Avançons. Tu vas vraiment s'en prendre une. Hein. La prochaine fois, il s'en prend. Vous êtes qui, ah, venez avec moi, vous. Vous êtes qui, vous. Vous allez pouvoir m'expliquer un peu vos talents de sorcier qui ont pu supercer mon contrôle de Kroulak. Je pense que vous allez vite devenir fou avant. Et il avance du coup avec lui. Merci. Et Robos et la jeune femme sont avec toi. Ah, de la compagnie digne de ce nom. Donc du coup, Robos avance avec toi. Tu sens que il y a un peu d'amour dans l'air avec la jeune demoiselle, en fait. Mais pas au milieu, du coup. Ouais, mais de toute façon, elle reste aux aguets. Elle est vraiment dans son élément dans la jungle, mais elle est vraiment en mode chasseur. Et Robos, lui, par contre, il ralentit un peu le pas. Puis ouais, il ralentit encore un petit peu. Puis il voit que vous êtes un petit peu plus éloigné des deux autres devant. Il fait. Vous devriez vous méfier. Je sais pas quelles sont vraiment les intentions d'Ajashkar, mais sachez que. Il n'y a pas vraiment besoin d'éliminer cette démon. Il suffit juste de relire les runes pour pouvoir activer le portail. Les runes qui étaient sur le miroir? Oui. Vous les connaissez, vous? Oui. Vous pourriez nous refaire repartir? Oui. Vous êtes sûr? Oui, complètement.
Il a l'air d'être confiant. Ouais. Et en fait, il est complètement surpris par la réaction d'Ajashkar, en fait.